C'est Warrior, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme promis, où je vais vous présenter les villages les plus what the fuck et les villages les plus rushés que j'ai vus, ou des villages assez stylés. Donc j'ai 61 screenshots de ces villages et on va commencer par la fin. Alors on va commencer par un petit HDV7. Donc par contre faites pas attention aux troupes, au level des troupes, hein, c'est il y a longtemps, il y en a des récents et tout ça. Donc HDV7 avec des vieilles tours level 2, ouais, trucs comme ça, des anti-aériennes level 1. Mais il est HDV7, regardez ce village rocher, je l'imagine pas ce mec à l'HDV10, quoique j'en ai des bons. Alors HDV9 avec des remparts niveau 3 si je me trompe pas. Regardez level 1, la tour d'archer level 1. Un village encore pas mal rushé pour un HDV9. Encore un HDV9 que j'ai trouvé juste après celui d'avant, avec des remparts level 2, 3, 1, seul level 8 à gauche. Il ne peut pas encore stocker 200 troupes. Si, non, non, il ne peut pas encore stocker 200 troupes, c'est 120, je crois qu'il peut là. Bref, un petit nombre. Et encore un village assez bien rushé. Un village beat que j'ai attaqué comme ça, il me fait le 100%, mais il est pas vraiment rushé, il est presque maxé, il manque ses remparts. Mais voilà, ça m'a fait rire. Donc ce village HDV9 full rempart level 3. Ah oui, donc l'autre c'était des remparts level 4. J'avais fait un full golem et puis j'avais rien à faire. Voilà. Donc encore un village bien rushé. Hein. Alors HDV9, alors lui, oh là là, un HDV9 avec des remparts level 1, des canons level 1, anti-aérien level 1, oh là là, ça me fait rire. Alors HDV8, je sais même pas s'il a tous les bâtiments d'un HDV5, franchement, avec des remparts level 1 et beaucoup de choses level 1. Il y a ses camps militaires à droite et tout ça. Alors cet HDV10, je l'ai attaqué, j'ai pas fait le 100%. C'est pas si, j'ai fait le 100%, je sais plus. Mais alors les grosses irrégularités, regardez les remparts et regardez les tours de sorcier. D'accord. HDV10. Et quand il peut stocker que pas beaucoup de troupes, voilà. Alors regardez clan. Pourquoi les gens ont mis quelque chose comme ça en guerre des clans? En guerre des clans. Truc de fou. Alors, village stylé, hein. Village chauve-souris. Pas mal. Alors, HDV10, il a ses deux tours de l'enfer. Trois Arc-X. Et le haut, level 1, les remparts, encore une fois. What the fuck? Hein. Hors sujet, HDV9, HDV8, regardez-moi ce mec, ses remparts ils sont même pas bien posés. Level 1, 2, voilà. Cet HDV10, il m'a fait rire, tout simplement parce que tout était vide avec des levels. Il y a des ces trucs, il y a beaucoup de trucs, c'est tour d'archer level 1, une level 2, oui. Mortier 1, mortier 2. Il a son roi, sa reine level 2. Deux Arc-X, il en a pas 3. Voilà. Alors, ce mec, je l'ai attaqué. Donc, il avait. Pourtant, il était pas mal pour un HDV8. Il était pas mal. Hein. Il avait les Valkyries, full caserne. Il était assez bien maxé. Il manquait que ses remparts. Peut-être son dernier canon, c'était au moment de la mise à jour où on a eu le quatrième mortier, pardon. Il a marqué Mela. Vous savez où c'est que moi j'ai mis? Et ben c'est ici. Voilà, donc il a marqué Mela. C'est après que j'ai compris quand j'avais fini mon attaque qu'il avait marqué Mela. Encore une fois, un HDV9 en guerre des clans, comment ils ont pu mettre ça? Franchement, dites-moi. Dites-moi dans les commentaires comment ils ont fait pour mettre ça. Cet HDV10, il a HDV10, encore une fois rushé, mais il a même pas ses tours de l'enfer, alors que d'autres ils l'ont. C'est mal.
Hop là, hors sujet. Alors, HDV10, rusher, ouais, rusher, avec pas mal de ressources, et bah je me suis fait plaisir. Encore un village chauve-souris. Un village nounours, il est excellent. Je l'aime ce nounours, il est mignon. Alors, regardez-moi ce mec. Mortier 4, AA level 3, tour de saut level 2. Et regardez ces murs, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok ta mère. Alors ça, bah dans les champions, il y en a plein, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. C'est le même, et toujours le même, encore le même. Alors, le truc là, d'accord? J'ai pas besoin de commenter. Il pue la merde. Village assez stylé, pas forcément, pas trop rocher, mais je sais pas si c'est une shuriken, une fleur, à vous de voir. HDV9 de merde, rempart level 2, tout ça. HDV10, toujours pourri. Voilà. Et on va bientôt arriver au lourd de chez lourd. Alors voilà, chérie, bonjour. I love you, chérie. PSG avec une bite et une flèche où il y a marqué OM. Donc, PSG tute l'OM. HDV10 toujours aussi nul. Encore en GDC, ce mec-là. C'était à Noël. Merry Christmas. Donc, joyeux Noël hein, pour ceux qui sont cons. HDV8, encore. Pas très bien maxé, enfin voilà quoi. Ça peut aller encore. HDV10, donc il a mur 1 jusqu'à mur 8. Au calme. Alors lui, tour de l'enfer level 2. Mur level 2, 3. Un mur level 11. Regardez, il y a un mur level 11. Excellent. Le village étoile, il est magnifique. Magnifique. Ah bah tiens, c'est un HDV9, je pourrais peut-être le refaire. Mais non, en fait, j'ai pas envie. Dis-moi ce mec. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pareil, qu'est-ce qu'il faut dire? Franchement, les gars, arrêtez. On va arriver au lourd. Alors, j'ai mis cette photo, ce screen, pardon, parce que j'étais en rush pour aller en cristal. Quand j'étais pas au level, vous voyez, j'avais les archers 4, j'avais déjà mon roi 5, et j'utilisais les sorts de foudre. Attends, je les utilise plus. Alors, j'ai perdu à un coup du roi des barbares. Et à un coup de l'HDV, ça m'a saoulé. Ça, c'est un sujet. Regardez. N'est-ce pas joli? Une tour de l'enfer en bas à gauche. Voilà. HDV 10, hein, toujours aussi nul. Alors, lui, vous allez voir des canons 4, 5, un canon 10, un 7, un mur. Donc les murs, ça fait 5, non, ça fait oui, 5, 6, 7, 8, 9, 11. MDR. Tour de l'enfer et une tour de saut. Alors lui, que dire? Lui, c'est du lourd. Ce mec-là, je sais pas combien d'argent il a mis, mais il en a mis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Reine 20, roi 11. Regardez, c'est mortier, il a même pas tout mis. Un truc de fou. Petit délire sur un serveur privé. J'avais fait 3000 barbares. Voilà. Alors, ça, j'avais 9 pourris en pensant qu'il allait faire des pièges autour du bordel. Non. Non. Oh là là, regardez cet HDV10. Un truc de fou, encore une fois. Pareil. Regardez. Arc X1, TD1, il a quoi? Il a deux mortiers.
Deux canons, deux mortiers, deux tours de sorcier, une tour de l'enfer, un mur 11. Alors regardez, pareil, c'est camp militaire. C'est camp militaire, c'est bien aussi. Il reste beaucoup ou pas? Bon, allez, il en reste pas beaucoup, on va faire vite. Hop là. Quand un HDV8 pas trop puissant. Un HDV9. Je me dépêche parce que je sais pas si tout va rentrer sur YouTube. Là, j'avais dit, regarder ses murs et regarder son level quand même. Pas mal. J'ai une fourrie. Deux tours de l'enfer, MDR, avec des canons 7, 6. Canon 11. Hop là, encore un petit hashtag grit. Hein, voilà, bande de nuls. Canon 1, 2. Ouais, il y en a des 1, il y en a des 2. Mortier 1, 1. Tout ça 1, là. En stade de foot. Hey, je l'ai attaqué un stade de foot. C'est stylé. Et une crâne de mort. Donc voilà, c'était la fin de ces petits villages proches. Soit quand je dis petit, on a des gros. Exemple. Gros village. Bon, je vous dis salut. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.